Martinez, oh, 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 oh. Fallait pas le tuer. Il fallait pas le tuer. Il fallait pas le tuer. Maintenant, tu vas en prison. Wang, 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 wang. Hey yo! Et il fallait pas le tuer. Non, je suis content comme ça. Je dis que quand Zomlo est en souffrance, quand il entend tout simplement qu'on prononce son nom, yeah! Il dit, David, tu fais même quoi? Tu fais même quoi comme ça? J'ai dit, hein, je t'ai payé souvent, pourquoi? Je t'avais demandé d'aller tuer, d'aller éliminer le type de jeu pour de Mingonala. Tu m'as bouffé mon argent. Hein? Moi, voici ici, je cale ici à Kone. Je t'avais d'abord dit que quoi? Allez finir d'abord avec lui. Maintenant, hein, il est là tout le temps, il fait les vidéos sur moi. J'ai même demandé à l'autre qu'on appelle le salopard, qu'on appelle Bachiro là. Que va même un peu voir, il faut de Mingono, tu lui donnes un peu d'argent. Vraiment, n'a pas voulu. Non, vraiment, hein, quand je veux sortir de la prison, je vais manger du poids de Mingono dans le Namouan. On mangeait dans le Misunga. On mangeait du poids de Mingono. On croc, croc, croc avec mes dents ici. Hey, ça! Non, 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 je suis content. Quand le zombie est comme ça en cachette. J'ai envie de. Wang, wang, wang. J'ai envie de. Voilà ce que le zombie danse là-bas. J'ai envie de wang, wang, wang. Et yeah. Bon, je ne vais pas donner les noms. Les gars, vous savez, il existe des choses. Hein. C'est-à-dire que je peux me balader ici. Je prends la chaise là, je pose là. Je me balade comme ça. Quand j'imagine que le homme là, lui, il est seulement couignant-couignant. La nuit, on frappe aussi. Il y a une grosse gardienne là. Intendante. Hein. Une fesse comme ça là. Elle marche seulement comme ça. Prison, oh. Hey, il fallait faire un peu. Je disais donc que puisque nous devons aller très très vite, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer que la situation est catastrophique parce que maintenant le Nyoxor olympique qui est là-bas, que ce soit homme ou femme, a déjà une particularité. C'est-à-dire que c'est toi aujourd'hui, les autres c'est demain. Donc je veux parler du 24 juillet, où deux femmes, gardiennes de prison principale, là où se trouve le bar en face de la prison principale, elles arrivent là-bas. Elles commandent à boire. Et une la première à dire que wow, comment tu veux que je te donne à boire, hein? Moi, c'est toi qui dois plutôt me donner à boire, puisque Zomloa Abe, si tu prononces son nom là, brut, ça se coupe. Abe Zomloa, lui il me donne seulement 20 000 francs pour faire le coup, hein? Et toi, elle te donne 30 000 francs. Qui a même quoi comme ça, non? Tu as même quoi? L'autre se lève aussi. Elle dit que pardon. Si me donne 30 000 francs, c'est parce que je sais tourner, non? Au-delà de ça, tu dis que j'ai quoi? J'ai les ouais. Regarde ta part de ouais. Moi, c'est poids lourd. Toi, c'est quelle qualité ça? Et il aime les poids lourds. Et d'ailleurs, je veux aussi te dire, s'il me donne 30 000 francs par coup, c'est parce que peut-être je suis plus propre que toi. Tu es sale. Ha! Papa, là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. La femme se lève. Je suis sale, je suis sale, je suis sale.
fui. Deux gardiennes de prison. Je, comme il y a les enfants là, ils ne veulent pas dire ce qu'elles disaient. C'est même là où je connais déjà toutes les touches de Zomlon. Il a deux touches. Ah, Zomlon, tu as deux touches, non? Les touches des anciens combattants là. Tu as ça. Et c'est même que moi, je croyais que tu étais même trop fort là, comme tu cherchais et tout et tout et tout. Mais on me dit qu'il n'y a rien. Bon, passons. Donc, ce sont les gardiens de prison qui sont venus séparer ça. Cette bataille-là. Cette bagarre. Donc, vous vous rendez compte. Quelqu'un est en prison. Dans une cellule. Et il finit avec des gardiens de prison principale. Sans oublier deux intendantes dont j'avais donné le nom. Dès que j'ai donné le nom, leurs maris les ont reconnus. Elles ont écrit maintenant au patron de l'administration pénitentiaire que nos femmes ne font que wang wang wang. J'ai envie de wang wang wang. J'ai envie de wang wang. Hey! Les deux maris cocus ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter que un monsieur qui vient de tuer un journaliste, qui se retrouve maintenant en train de tuer leur mariage. Ils ont adressé ce courrier-là à Don, qui est supposé être patron de l'administration pénitentiaire, qu'ils exigent l'affectation. Mais ce qui est encore plus grave, dans ce que je vous dis, dans ce libertinage de ces acrobaties libidineuses qui se font en prison, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que le patron de la justice, le patron de la justice lui-même, il a donné une demande d'explication à un gardien de prison. Juste parce que le gardien de prison, et d'ailleurs tous les gardiens de prison qui sont là-bas, ils peuvent vous dire, hein, que chez Zomlon, des Nyoxer, les condoms, les objets sexuels, ils sont là-bas pêle-mêle. Et Laurent Zozo, non seulement, il demande qu'on laisse Mélissa entrer et aller s'accoupler avec son homme quand elle veut que c'est un droit. Mais il donne une demande d'explication. Il y a un régisseur. Même s'il y a des problèmes, c'est le régisseur qui doit intervenir. Comment vous voulez qu'en plein dimanche, vous avez le directeur régional de l'administration qui arrive en cellule, qui arrive en pleine prison pour venir exiger que Mélissa aille dans le bésodrome. Comment vous pouvez concevoir ça? Et dans la hiérarchie, comme j'ai dit, il y a les inspecteurs, il y a ceci, il y a cela, il y a le directeur, il y a... Et ça passe tout ce monde-là. C'est lui-même qui adresse une demande d'explication. Bien plus, il y a un gardien de prison là-bas. On doit l'appeler Nyamé. Mais son nom, c'est Guizot. Son petit nom, c'est Guizot. Mélissa arrive là-bas, comme d'habitude, avec une bande de femmes. Et nous sommes en plein week-end. On lui demande d'aller ouvrir. Là, il y a le parloir des avocats qu'il a déjà transformé en réfectoire où il reçoit tout le monde. Parce que je vous ai dit, dans sa cellule, maintenant là, c'est le sagat. Parce que je vais vous dire qu'il y avait un commissaire divisionnaire qui a fini ses 3 ans de prison. Donc, il est resté tout simplement avec Eko. Et Eko, ils se sont entendus de faire chacun la passe et... Oh là 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 là, mais attends, c'est pas possible. Je suis en direct et tu m'appelles. Donc, quand on voit...
vois ce qui se passe, justement, vous vous rendez compte que Eko reçoit aussi déjà sa part. Et vous savez qu'il a 5 femmes. Plus les petites qui viennent. Depuis que le commissaire est parti, c'est devenu... Alors Dizo a refusé d'aller ouvrir cette salle-là. La salle que les hommes l'ont transformée en salle de réception pour ses multiples conquêtes et pour ceci et cela. Parce que je vous ai dit que dans la nuit, allez, toutes les gardiennes là, chacune veut seulement travailler maintenant la nuit. Hein, parce que là-bas, ça cogne fort, là-bas. Bon, et tout, quand tu pleures beaucoup, c'est là où tu as les ristournes de 10 000. Quand tu cries, yeah, je suis bordeaux, allez, 10 000 encore, 10 000, 10 000, 10 000. Et que dit, wow, tu es fort au cas. 10 000. C'est comme ça. Guizot est donc devenu l'ennemi à abattre, l'ennemi public. Il n'a fait que respecter les règles d'une prison. Et vous voyez les hauts responsables du ministère de la Justice, comme j'ai dit, le médecin. Il débarque là pour dire que voici l'officier de permanence qui a pris une décision qui n'est pas normale. Et qui a appelé le somme des hommes noirs. Et il appelle Laurent Zozo. Que voilà, on n'a pas donné ceci et cela. Oh, tiens, allez, ouvre ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et les hommes noirs reviennent lui dire, je vais t'affecter à l'Okadouma. Ou à Yoko, tu vas voir comment est-ce que je suis. Hein? Vous croyez même que Echo n'est plus ministre. Hein? Vous croyez même que quoi? Vraiment parce que je suis ici, je suis encore ici là parce que moi j'attends tranquillement. Hein? Vous allez voir, moi je vais vous tous. Je vais vous affecter là où je veux. Tu es en prison. Et tu parles à des gardiens de prison, à des officiers de permanence, de cette façon. Mais la situation à la prison principale est aujourd'hui catastrophique. Parce que le Richard ne peut pas parler. Et parce que cette fois-ci, Esso ne se cache pas. Il montre qu'il est là. Tu fais mal, c'est-à-dire que tu fais ton travail contre les hommes lourds, des hommes lourds. C'est fini, c'est lui-même qui intervient. Directement. Martinez Zogo a été assassiné de façon cruelle. Tout le monde a vu les images. Tout le monde a vu le patron de la DGEP. Voilà l'affaire qui stagne. On ne sait pas là où vont les enquêtes. Et il y a un monsieur qui se tient là, qui dit que non, ils se sont déjà entendus avec la présidence de la République pour qu'il soit libéré avant décembre. Et quand vous voyez qu'une chaîne de cette envergure-là se retrouve avec ce régime-là, vous avez vu Daffy Duck? Voilà quelqu'un qui a été inculpé avant de dire que non, on te place d'abord, tu viendras comparaître. Comment il peut sortir du pays? Mais sur quelle alchimie quelqu'un qui est supposé être à la disposition de la justice se retrouve avec Frambia en Russie? Quelqu'un qui a passé un mois pour un meurtre se retrouve avec le fils du chef de l'État, lequel chef d'État prescrit une enquête. Et c'est son fils qui est le conseiller. Et le fils du chef de l'État se retrouve avec un présumé assassin. Quelqu'un qui a été inculpé pour financement d'assassinat. Avant que le soi-disant commissaire du gouvernement, Belinda, ne modifie des choses et qu'on décide de le laisser
à la disposition de la justice. Donc même les gardiens de prison ont peur. Tout le monde a peur. Nous sommes dans quel état? Et imaginez donc que celui-là arrive au pouvoir. Il n'est pas encore au pouvoir, qu'il n'est qu'avec des gens qui sont dans des sales affaires. Vous n'allez pas le voir avec des gens qui brillent. Vous n'allez pas le voir puisque vous allez voir même que lui-même, il était impliqué dans les affaires en tel ou tel endroit, avec les affaires de poudre et tout ça. Comment le fils du chef de l'État se retrouve en Russie avec le bras droit du Zomlo, impliqué dans l'assassinat de Martinez Zoro? À partir de ces images-là, comment vous voulez que les gardiens de prison puissent encore respecter ou bien respecter les consignes? Comment vous voulez qu'ils soient sereins? Ils vont se dire, mais moi je risque de perdre mon travail ici. Parce que j'ai vu Franck Biya avec le bras droit du Zomlo. Ils sont ensemble. Qu'est-ce que je peux faire moi? Laissez quelqu'un. Jusqu'à présent, on vous dit qu'un ministre de la Justice est impliqué. Il a dit finissez le travail. Il est toujours là. Zéro gouvernement. Zéro remaniement. Et pour plutôt aller en Russie, tu pars encore avec d'autres bandits. L'Ingalou du Messie ou encore les Lupol Montez qui ont été cités, qui sont les grands bandits de la ligne 94 et de la ligne 65. Comment on peut justifier ça? Et on vous dit que Martinez Zogo a été tué pour ça. La prison, c'est d'abord une façon de vous enlever dans la société pour que vous fassiez un examen de conscience. On vous prive de certains droits parce que vous avez fonctionné comme un hors-la-loi. Et encore qu'il s'agit d'une affaire d'assassinat gravissime où jusqu'à présent l'ONU demande les comptes à l'État du Cameroun. Où jusqu'à présent le monde entier, la société civile est indignée. Les enquêtes n'avancent pas. On comprend donc pourquoi est-ce que ça n'avance pas. Parce qu'il y a tout un programme qui a été mis en place que oui, vous allez me soutenir pour mon élection présidentielle. Enfin, pour ma désignation présidentielle. Il prend donc n'importe qui. Il met autour de lui. C'est deux FIDOC que Franck Biya a pu voir dans tout le Cameroun. Il discute avec lui. Le fils d'un chef d'État. Qui discute avec une chaîne qui fait la promotion du tribalisme, de la xénophobie. C'est tout ce qu'il a pu voir pour s'afficher. Et on comprend donc le désordre qu'il y a actuellement à Konani. Que les gardiens de prison peuvent bagarrer n'importe où. Ils vous donnent les prix de la passe, du coup, de comment quelqu'un crie et tout et tout. On peut vous dire, tous les gardiens de prison sont mal à l'aise. Tous les prisonniers sont mal à l'aise. Eux, ils n'ont pas droit à leur femme. Ils n'ont pas droit aux visites. Et quelqu'un qui a assassiné un journaliste, lui, il a droit à tout. Tous les ministres du Cameroun, quand ils ont été arrêtés, on a vu leur visage, leur arrestation à la CRTV. Quelqu'un qui a tué un journaliste, on n'a jamais vu, même quand il part au tribunal. Il est interdit de le filmer. Et d'ailleurs, le Guizot là, qui voulait filmer les deux femmes, dit-on, les deux femmes qui viennent là, soi-disant que c'est des psychiatrie ou quoi, machin. Parce qu'il avait son téléphone, on a dit, il a voulu filmer les femmes. C'est ce qui donne l'ordre que aller arracher le téléphone. Mais tous les ministres de Biya, on les a vus monter dans les 100 pays. On les a vus dans les pays. Ils n'avaient tué personne. Hein?
Mais un assassin est protégé. L'image d'un assassin est protégée. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du clan de la mafia. Le clan du blanchiment. L'homme au Cameroun est actuellement accusé. Parce que tous ses responsables sont passés par lui, pas seulement pour gagner des marchés, mais pour évacuer l'argent à l'étranger. Tous ont fonctionné avec lui pour des détournements. Tous ont fonctionné avec lui dans des sectes. Tous ont fonctionné avec lui dans l'eau. Marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Et voilà cette solidarité de ce pays qui ressemble à Sodome et Gomorre, où toutes les valeurs sont à l'envers. Et c'est avec ça qu'on dit qu'on va continuer à accepter d'être dirigé par l'immoralité, qu'on va accepter d'être piétiné, qu'on va accepter d'être humilié. Toutes les femmes aujourd'hui qui sont gardiennes de prison sont passées presque à la casserole d'un homme dont la santé, l'état de santé, dont la santé est douteuse. J'ai évité de citer des noms aujourd'hui. Mais prochainement, je vais citer. Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Ce vagabondage doit s'arrêter. Et Pouni Max, toi, régisseur, si tu ne prends pas tes responsabilités, tu vas voir ce qui va t'arriver là-bas. Les Amazoniens, bien évidemment, ils ont actuellement le vent en poupe. Tu risqueras de répéter. Parce qu'ils sont déjà, à bout. Je n'ai fait qu'avertir. Pour ceux qui sont en prison pour jouir, pour se divertir, pour nuire, pour travestir. Mesdames et messieurs,